Salut tout le monde, bienvenue ce soir pour un nouveau stream. Ce soir, je vous retrouve sur Resident Evil 4 Remake. On va continuer l'aventure. Bon, je m'excuse pour hier avec le stream du chapitre 12 où j'ai un petit peu laissé la chasse de succès prendre le dessus. J'ai réussi quand même à faire le succès en question. Bon, vous le verrez pas malheureusement, mais je tenais à m'excuser quand même parce que bon, c'est peut-être pas forcément agréable. Donc là, je vais tenter de le refaire ici, mais si j'y arrive pas, tant pis, hein, je passerai à autre chose. Il y a d'autres succès à aller chercher, puis je l'ai obtenu, c'est le plus important. On est parti, salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. Nous allons entamer le chapitre 12 avec Leon qui remonte à la surface après le décès de Louise face à Krauser. Il y a plein de couteaux dans le dos. C'est mortel. Mais bon, on va faire en sorte de retrouver Ashley et de voir un peu où ça nous mène. Léon découvre que son ancien mentor, Jack Krauser, est impliqué dans l'enlèvement d'Ashley. Il assassine brutalement Louis avant de disparaître sans laisser de traces. Troublé et en colère, Léon repart à la recherche d'Ashley, bien décidé à accomplir la dernière volonté de Louis. Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Tu t'en tireras pas comme ça, Krauser. Ouais. Il a une mort moins brutale que dans le 4 origine, là. Enfin, moins brutale. En même temps, bon, spoiler alert, il se fait transpercer par Saddler cette fois. Donc Saddler, on le voit pas encore, hein. Donc à mon avis, on va le voir pour la dernière partie, ce qui est logique. Je trouve que c'est intéressant comme changement. Bon, là, j'aurai peut-être un peu plus de munitions pour certaines choses. Bon, les balles de fusil, je suis large. Grenade aveuglante, je suis bien aussi. Bon, là, j'avais récupéré tous les trésors. Oh, attends, il me reste des petites choses à récupérer. Une herbe rouge. Une herbe verte. Bah, déjà, j'ai un soin. Hop, zouf. Bon, par contre, j'ai plus une balle de Magnum. Tant pis. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc là, si je remonte, je vais récupérer déjà les derniers trésors en priorité et faire quelques quêtes annexes. Je sais que j'avais oublié une quête. Après, oh, je l'avais pas vu. Hein. Alors, je regarde en trésor, j'ai quoi là? Une barre dorée, le cube, la clé de Louis, les jetons d'or. Il faudra aussi que je termine aussi le champ de tir 3. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah, bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Ok. Alors déjà... Ah, bah elles sont là les deux requêtes que j'avais pas vues. La honte de la famille Salazar, cet ignoble Ramon Salazar. Salut Mitrandir, comment tu vas? Bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. La simple vue de son image me donne la nausée. Si quelqu'un veut me rendre service, qu'il trouve un moyen de lui refaire le portrait dans la pièce que l'on voit sur la photo. Frapper son visage avec quelque chose devrait faire l'affaire. Du moment qu'il finisse souillé, peu importe la manière. Ok, je sais où c'est. Et le deuxième, voleur volant. Que quelqu'un m'aide à récupérer un bijou volé par un corbeau chapardeur. Je parie que cet emplumé l'a emmené dans son nid. Ce bijou est un héritage de notre famille. Nous ne pouvons pas le laisser devenir le jouet d'un volatile de malheur. Ah oui, j'ai dû. T'as vu la bonne nouvelle, mais je suis plutôt content. Et peut-être que ça fera. Ça calmera les craintes de certains sceptiques. Parce que, quand même, je peux comprendre qu'il y a des sceptiques, mais au vu de ce que j'ai vu, c'est très intéressant. Alors, là, c'était la petite clé qui nous manquait pour le dernier trésor dans les remparts. Bon, déjà, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Moi, j'ai rien à acheter. Donc là, je suis à la fin de Resident Evil 4. Il me reste encore, avec le chapitre 12, il me reste bah, 4-5 chapitres, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Et là, par contre, il va falloir que je repasse. Alors, il y a les Novistadors qui sont dans le coin. Effectivement, oh punaise! Saleté d'insectes, viens là toi. Le truc semble vrai par rapport aux anciennes NC, mais le contenu accompagne une nouvelle civilisation unique. Ouais, et les anciennes civilisations.
Donc 16 et 1, ça fait 17 civilisations. C'est la civilisation du Vietnam antique, entre guillemets, si j'ai bien suivi. Franchement, c'est top, hein. C'est top, c'est top. Mais franchement, pour 15 balles, oh, ça fait largement son prix. Après, attends, quoique, est-ce que je devrais pas aller directement à l'antichambre? Je vais aller directement à l'antichambre faire ce que j'ai à faire. Alors, attends, faut que je revoie mon équipement aussi. Bon, après, mon perso, en termes de sortie au mois de mai, à part ça, j'attendais rien d'autre. Hein. Peut-être un DLC surprise sur un Total War, mais j'y crois moyen. Ouais, c'est bien ça, le Vietnam antique. Oh putain de merde! Waouh! Ah ouais, vous êtes tous avec des espèces d'insectes sur ma gueule. D'accord. Ça m'arrange. Qu'est-ce qu'il faut pour vous arrêter? Voilà. Désolé. Oh, vous êtes un peu collant, monsieur. Maudit fanatique. Il y aura le DLC de Ramon, perso. Je ne sais plus trop. Ah. Bah moi j'ai eu le dessin du chaos. Bon. Moi je vais faire la campagne avec Zatan le Noir. Donc il faut que je termine aussi la campagne de Blood Bowl 3 en cours. Je l'avais toujours pas fini. Après il y a eu Resident Evil 4 qui arrive entre temps. Donc j'ai fait le choix. Et voilà. Mais après, à mon avis, le DLC Mythrandir, ce sera pas avant le deuxième trimestre. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, je l'avais dit, Warhammer, c'est plus trop ma priorité à l'heure actuelle. Mais bon. J'attends les prochains historiques avec impatience, ou même le prochain saga pour tester le nouveau moteur, s'il y a un nouveau moteur. Ce serait très bien, pour éviter une Empire bis. Ah, enfin, alors là, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Le pompe, on est bien. On a des. Et franchement, là, je suis aux anges hein, avec ce Resident Evil 4 Remake. Je vais essayer de le platiner, pas forcément cette année, peut-être sur 2 ans. J'ai déjà la moitié des succès quasiment. Ah, là, on va récupérer tout ce qu'il y a récupéré. 300 pesetas. Si, seigneur. Compagnon du Duc, je la ferai en Royaume du Chaos. J'ai fait 2 campagnes en pire mental, ça m'a suffi. Chronique de recherche de octobre, 8 ans après mon éveil, enfin ma noble quête a atteint sa phase finale. La fusion entre un humain et un insecte. La gouvernante s'était gracieusement portée volontaire pour l'expérience. Je vais mettre tout mon cœur dans cette aventure pour transcender l'humanité et rendre fier Maître Ramon. Mars, 9 ans après mon réveil, une union magnifique a vu le jour. La gouvernante a beaucoup souffert, mais pas en vain. Voici le fruit de notre labeur dans toute sa splendeur. Je vais baptiser cette forme de vie parfaite U3, car 3 est le chiffre le plus beau et le plus complet. Avril, 9 ans après mon avis. U3, ma chère Pesanta, a été choisie pour servir de bras droit à Maître Ranum. Mais de bras ne va-t-il pas mieux qu'un seul? À mon tour de prouver ma loyauté, son humble serviteur, Isidro Riate Talabert. Donc ce sont les Verdugos qu'on avait déjà affrontés dans le passé sur la. Bah écoute. Franchement, Mitrandir, si c'est le cas, moi je préfère que ce soit ça. Qu'ils prennent un peu de retard, comme ça au moins ils ont le temps de bien peaufiner. Sincèrement. Je préfère qu'ils prennent un peu de retard, qu'ils bossent bien le moteur, et puis voilà quoi. Et après, à la fin, on risquera d'être moins Ok, je déçus. vais prendre Mais ça. bon, après, c'est mon avis. Note de la gouvernante numéro 2. Oh, Maître Ramon, avec l'opération de demain, je vais enfin dépasser les limites de cette enveloppe mortelle. Ce qui restera de moi devrait bientôt disparaître. C'est formidable, le corps sacré est un miracle prodigieux. Ma fidélité envers vous est la seule lumière qui illumine mon chemin. Nos destins seront liés pour l'éternité. Existe-t-il une plus grande preuve de loyauté? Je sais pas. Ouh. Un ancêtre de Ramon, peut-être? Bon, du coup, vous pondez. Alors, est-ce qu'il y a encore le truc du siège? Alors, le siège, ce qui est rigolo, c'est que ce siège, devant l'original, il était sur l'île et là, tu l'as au château. Morse, vos sirums.
Une herbe rouge, ça c'est très bien. Ça ira tout de suite avec l'herbe verte. Donc c'est toi qu'on doit frapper, Ramon, ok. Alors c'est quoi ça? Confession de Ramon, Monseigneur, mon père bienveillant. Bénissez la lignée des Salazar avec un marteau de fer. Le fondateur de ma famille a déclaré néfaste les enseignements sacrés des Illuminados et a persécuté ses fidèles. De plus, il leur a volé le bien le plus précieux et l'a enfermé dans les sous-sols de ce château. Quel blasphème, quelle insolence! Combien de temps ai-je dû supporter la honte de savoir que le même sang coule dans mes veines? Enfin, le jour de l'expiation est arrivé. Oh, cher Lord Sadler, je vais libérer les plagas sacrées qui ont été enfouies sous ce château. L'heure est venue. Par la grâce divine, les pécheurs renaîtront comme membres du troupeau, membres du Ganado. Ils deviendront vos loyaux serviteurs. Rien ne me ferait plus plaisir que d'être à vos pieds et d'en profiter de votre splendeur. Je suis votre humble serviteur, vous êtes ma lumière éternelle, ma loyauté est inébranlable. 400 pesetas. Oh, il y a un œuf là, parfait. Comme ça, j'ai gardé l'œuf de poule doré. J'ai une idée. Alors, l'œuf de poule doré. Attention à la tête, Ramon. Voilà. C'est bon. T'es moche. Quoique t'es plus classe que dans l'original, hein, je trouve. Tu faisais un peu trop gamin hein, dans l'original. C'est que mon avis, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 4. Un peu d'argent en plus. Alors, il me reste un trésor à récupérer ici. Oh, un collier orné. Eh bah tu sais quoi? Un béryl, une émeraude, un saphir et un diamant jaune. Voilà. J'aime bien ce système de craft là. Donc là on va avoir pas mal de bonnes choses. Donc là normalement je suis à 35 trésors. Je vais bientôt être à 36. Et là logiquement il me reste plus que ça. Maintenant, on retourne sur les remparts. Alors, je vérifie dans les couloirs, j'ai rien oublié. Non. Donc là, ça fait avec mon raid 9 que j'adore toujours. Le raid 9, même dans l'original, il était top. J'ai 3 chargeurs d'avance, ce qui est pas mal. 16 x 2, 32, ouais, c'est ça. Non, pour là en ce moment, j'essaie de platiner un petit peu Troy. Je suis arrivé à la moitié des succès hier. Je suis plutôt content avec la victoire d'Agamemnon. Ça n'a pas été simple. Hein. Bon, pour jouer en facile, mais j'ai galéré sur cette campagne. Surtout avec la mécanique avec la Confédération, j'avais du mal à confédérer. Bon, on va y aller tout droit. Hein. On va éviter ces foutus insectes à la con. Waouh! Alors toi. Ils sont chiants quand ils sont camouflés. Et surtout le couteau. Ouais, ton gilet, il est pas dans un bel état. C'est-à-dire qu'il faudra repasser par ici. Ils sont chiants les Novistadors. Fait mon écran là. Désolé. J'ai pas compris. Alors. Là on fait tout le tour mais ça nous mène nulle part donc c'est pas par là. Je reviendrai au stand de tir après ça. J'adore le stand de tir sur le remake. Je l'adorais de base sur l'original.
De la poudre noire en plus. Alors si je me souviens bien, le nid... Non, il est pas là. C'est ça. C'est le problème. C'est pas souvent qu'on voit un nid. Hein. Et on récupère la fameuse émeraude verte rayée qu'on nous demandait. Je me permets. Oui, bah, vas-y. Hein. Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Bravo, étranger. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je reprends aussi le collier que j'ai confectionné. J'achète. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Bon travail. Alors, le Mathilda, je m'en fiche. Et je vais garder mes spinels pour des futurs trucs. Ah, il y a ça aussi. Une affaire bien conclue. Je peux encore améliorer des trucs hein, sur le fusil à pompe. Vas-y, je l'adore ce fusil. Il va être ultra fort. Notre savoir-faire ne laisse personne. Il me reste 17 mines. En quoi puis-je t'aider ? Je vais refaire mon couteau. Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Quoi qu'après, j'ai peut-être affronté un boss. Il est peut-être de là. Mieux vaut prévenir que guérir. 39 balles de pistolet. Parfait, comme ça je regagne un peu plus de balles avec le mon bonus là. Avec les petits porte-clés qui sont super. Franchement, ils ont. Et ce remake à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur remake. J'ai rien à dire. Reviens quand tu veux, surtout. Je vais déjà enregistrer, comme ça au moins je sais que j'aurai fait les requêtes. Il y en a, je crois, 19 en tout dans le jeu. Je crois que j'en ai fait au moins une douzaine, voire 14-15. Vérifie, normalement j'ai rien loupé. Donc le nid d'insectes, ouais, il m'en reste. Alors je vais compter combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 15, donc il y en avait bien 19 en tout. Donc les 4 dernières, logiquement, sont sur l'île. Ok. Alors ici dans le truc, ce qui est rigolo, c'est une petite, il y a un peu d'eau, et je m'en suis aperçu quand je suis repassé ici, il y a des poissons qu'on peut bouffer pour de la santé. Oh, t'es costaud toi. T'es où? Ouais. Un bon gros poisson là. Ça sera toujours utile. Sachant que là j'ai un œuf doré. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça va me soigner complètement. Ça peut me gagner beaucoup de vie. Franchement, niveau soins, je suis plutôt pas mal. Maintenant, je vais retourner près dans le labyrinthe. L'escalier, il est là. Puis, un autre truc réussi sur la remake du 4, c'est que t'as des. Parfois, tu peux avoir des phases de furtivité avec le couteau, quoi. Ce que t'avais pas dans l'original et dans aucun autre remake à l'heure actuelle. C'est dommage qu'ils aient pas poussé ça sur les anciens. Ça aurait pu, je pense, intéressant. Après, avec des si, on mettrait pareil en bouteille, bien sûr. Mais pour moi, le remake du 4 est très bien réussi. Si certains avaient peur de ça, donc la question de savoir est-ce que Capcom va continuer sa logique du remake et toute la saga chiffrée donc jusqu'au 5-6. Parce que bon, pour moi là, ça veut dire que s'ils vont dans cette logique, le 5 c'est le prochain remake. Après il y en a un que j'attendrai, mais bon, je m'inquiète un peu, ça serait que... Il y a un remake, ça serait Code Veronica. Mais c'est pour le moment, on n'a pas eu d'infos là-dessus. 400 pesetas en plus. Donc voilà où on utilise notre petite clé. On avait fait, depuis le chapitre 8, hein, c'est tantôt qu'on n'était pas retourné. Un scarabée orné, on prend. Donc là, on est à 36. 37, 38, 39, 40.
Allez. Alors, je suis dans le bon sens, ça marche. Après, c'est mis trop dire si t'en connais, si t'aimes bien Resident Evil, tu cherches un Resident Evil, un remake. Un très bon remake, bah le 4, ça va faire un mois qu'il est sorti, mais je le trouve très très bon. Et je te le recommande si ça t'intéresse. Je vérifie que j'ai pas oublié des urnes dans le passé, on sait jamais. Là, je vais tout de suite aller au chantier pour faire ce qui me manque. Il me manque un rang S sur la dernière épreuve du niveau 3. C'est pas trop mon style de jeu, mais ça va. Oui, il y a des jeux qui font cet effet-là, limite. C'est vrai. Moi, il y a des jeux, par exemple. Comment il s'appelle? Il y a certains jeux de gestion, je peux m'éclater tout seul. Mais en stream, j'ai du mal. Resident Evil 4, par contre, j'ai fait l'ancien, j'ai fait le remake. Voilà, c'est. Voilà. Ah oui, mais je tombe, c'est vrai ça. Ça rapporte. C'est les anciennes figurines qu'il y avait dans le 4. Alors, ça, c'est cool qu'ils ont repris ça. Poule. Vie restaurée par les œufs plus 100%. Ça peut servir, mais bon. L'œuf, il va y avoir une autre utilité à un moment, ça va être assez fun. Le fusil, je suis bien. Je vais peut-être faire une autre grenade lourde. Voilà. Alors, j'ai fait tous les rangs S quasiment. Bon, les trucs avec les 100%, j'en ai fait aucun, mais ça m'intéresse pas. Ah si, je l'ai fait sur le 2B quand même, ok. Le 2C, je l'avais fait aussi. Ah, je l'ai fait aussi dans le 3. Ah, ok. Le 3B, je l'ai pas fait, mais je l'en reste. C'est lui qui me manque. Il faut au moins 9000 points. Alors, faut que j'essaie de me rappeler un peu. Oh, zut. Je me suis déjà raté. Vite. Déjà, je suis un peu mal embarqué parce que je me suis pas aligné au début. Alors, attends. Non. Voilà. Alors là, je fais gaffe. Ah, zut. Non, j'ai raté là. Après ça montre que j'avais parfait. Ok. J'ai compris. Tu as du mal à... 3, 2, 1, allez. Oh, magnifique. À chaque fois j'en ai que 2, c'est fou. Voilà. On a 2003, ok. Donc là je vais me remettre à droite tout de suite. Ah non, c'est au milieu, merde. Toi, tu vas vite à gauche. Superbe tir. Oh, magnifique. Ça, c'est con parce que normalement, je pouvais y aller. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bug ou je vise mal, peut-être. Il manque plus grand-chose. Hein. Ça va revenir. J'adore ce pistolet là, le Punisher. Voilà. Bon, on est à 2300, mais on a tous les jetons. Alors, attends. C'est à droite, ok. Alors, toi. Ah zut. Vite. Ah super. Olé.
Ah, bon, j'ai 8200, ça me suffit. Et parce qu'il y a un succès pour avoir tous les ronds à toutes les épreuves de tir. Est-ce que j'ai appris quelque chose d'intéressant? Non. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, ça met un peu de piment dans le jeu, ça. Les petits stands de tir et puis des moments sympas où tu peux te défouler, tu vois, après une frustration. Donc là, il ne reste plus que les épreuves 4, parce qu'il y a 4 parties, alors je... On est bien équipé. Bon, dommage que j'ai plus de balles de magnum, mais... Non, ça c'est pas le bon côté, merde. Et logiquement, je suis à 36 trésors et j'ai rien loupé, je revérifie. Non. Non. Les remparts, non. C'est juste là, donc. Faut que j'aille à la tour. Et il faut que je repasse. Merde, là, je vais vers la cour. C'est pas le bon côté. Mais tu vois que sur le remake du 4, ils ont pris des modes. Ils ont pris exemple un peu sur le château. Qu'il y avait dans Resident Evil. Village. Je pense qu'il y a des petits clins d'œil cachés. Après, j'ai pas fait le village du coup. Waouh. Oula, vite. Poudre noire supplémentaire, je dis oui. Ok, on va juste enregistrer dans le doute. Salut, étranger. Alors après, je pourrais revendre mon scarabée. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Merci. 9000 à 9 de poule. Hein. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Vitesse de accès rechargement, ouais. Il est bien le fusil. Après, c'est ma première vraie run, donc j'y vais tranquille. Hein. Je prends mon temps, j'explore bien. J'essaie de faire le plus de succès possible en une run. Voilà la tour de l'horloge. Tiens bon, Ashley. J'espère que le jeu est bien fluide aussi. Je l'ai mis en 30 fps, je ne sais pas en 60. Parce que j'ai eu des gros lags à un moment, donc sur certaines scènes. Ah, là ils te mettent déjà une caisse, poudre noire. Y a rien d'autre. Je suis peut-être passé trop vite là, non? Rien. Cartouche de pompon plus, ça c'est toujours utile. Ramon Salazar. Je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, Monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici. Débarrassez-moi de cet intrus. Toujours afin de donner ça le boulot aux autres. Ah, dommage. Là, j'ai un petit truc à jouer, c'est qu'il y a un petit corridor là avec eux. C'est pas mal, comme ça là, ils viennent tous d'un coin. Parfait. Il y en a d'autres? Non, ça va. Je vais profiter pour piller les caisses. Alors hier, j'ai un petit peu rage quitté sur le stream, hein, je le cache pas. Parce que j'avais oublié des trucs et c'était surtout pour le succès de l'ascenseur qui va venir après. Mais bon, là, je vais essayer de le faire, même si je l'ai déjà eu hier
Bon, la douleur, mais moi, si je l'ai pas là, tant pis. Là, il y avait une statue que j'ai battue d'un petit automate. Donc là, je vais essayer de rien oublier en bas. Donc là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ah, il y a un tonneau là. Alors. Bon. Là, on est à 37. Il y a un truc qui est dommage, c'est que... Le mausolée, on n'a rien oublié. La ruche, on n'a rien oublié. Le haut fourneau au début, on n'a rien oublié non plus. On a tout. Parfait. Waouh. Coucou. Bon, bah, au revoir. Ça, c'est des balles de pompe, ça. Ça me plaît. Faut bien que je remette mes balles, hein. Oh non, me dis pas coucou. Oh là là, j'aime pas ce qu'il fait. Oh non, 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 non. Je veux pas être en mode barbecue. Alors attends, il y a un trésor là. Ça c'est fait. C'est une alexandrite. Ça nous en fait 38. Là, je l'ai pas oublié. Voilà. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Wow, wow. Parfait. Bon, je me suis un peu brûlé, mais lui, il s'est fait brûler aussi. Au moins, ça arrange une partie du problème. Ah, et j'ai complètement oublié. Ouais, 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 ouais. Je prends cher, là, inutilement. Bah, mes poissons sont là pour ça. Vite, tant pis. Là, il faut que j'y aille. Vite, mets-toi dans le coin, mets-toi dans le coin. Vas-y, approche. C'est encore de la poudre. Plus j'ai de poudre, mieux ce sera. On les grille, vite. Vite, 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 tant pis. Mon pognon. Là, j'ai rien oublié normalement. On est bon. Ok. On est à combien là? Aïe. Enfin, madame, ça va pas, non? Ah ouais, vous êtes à deux sur ma gueule, carrément. Bon. J'aime bien le comité d'accueil, mais faut pas déconner non plus. Oh, j'aime pas ça. Ouais, j'ai bien fait. Oh, il y en a une de moins, ça c'est bien. Désolé, j'ai glissé. Ah, il est là le tireur là, cet enfoiré. Parfait.
la boule est passée, j'y vais. Oh, il y a un soin là, ça c'est top. Waouh! Oh non, 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 non. Ouf! Eh, moi aussi je peux l'utiliser alors. Et là il y a un trésor. Ah bah écoute. Hein. Un miroir avec des perles. On est à 39. L'autre est en bas donc ça ferait 40. Bon, ciao. Voilà. Bonjour, j'arrive. Waouh, waouh. Oh, le carnage, là. Et en plus, on pourra faire plein de mines comme ça. Et d'argent. Par contre, là, les mines de pistoles, ça va être chaud, hein. Au niveau santé, je suis bien, mais c'est juste les points de vie de la... Pas les points de vie. Les balles de pistolet qui me dérangent un peu. 500 de plus. Oh, la belle horloge. 40e trésor. Sans PC-ta, je vérifie que j'oublie rien. Là, il n'y a rien. Bon, là, on est d'accord que le prochain trésor. Où est-ce qu'il peut être? Ok, donc faut que j'aille au dernier étage après. Ça marche. Bon. Je vais recharger toutes mes armes déjà pour être sûr. Parce que cette mission-là va être assez intense, quoi qu'on en dise. Eh, j'ai trois grenades lourdes. Alors, je me rappelle un petit peu d'hier. Alors, là, il y en a un qui va spawner. Un ascenseur. Quand même, c'est gentil. Alors, le prochain, il est dans mon dos. Ouais. Bon, il m'a touché quand même, mais on l'a eu. Si je n'ai pas le succès, je l'ai déjà eu le succès, j'en rappelle. Donc, 3. Alors, attention ici. Hop. T'es pas prêt de monter, toi. Attends, t'es où, toi? Ah, t'es là, je me souviens de toi. Ça s'arrête jamais, hein, qui disait. Oh, toi, je t'ai vu. Ah bon, je l'ai pas vu, tant pis, je l'aurais pas. Je l'aurais pas, je l'ai pas là, mais bon, je m'en fiche. Ouais. Wow. Mon gilet va partir. T'es où le tireur là? En vrai, il suffit qu'il y en ait un qui monte, ça fout tout le bazar. Et bah, hop. Moi, je les accuse aussi, hein.
Alors par contre, ça me su... Je l'ai tiré dans la gorge, hein, mais bon, bref. Ok. Ah, ça me fait chier de gaspiller une balle de pompe sur ça, hein, mais bon. T'es où toi? Ah, t'es là. T'es sérieux? Ah, quand même. Un jeton d'argent, mais bon. C'était pas le trésor. Tout ça pour un jeton d'argent, mais bon, soit. Et je vais me refaire quelques balles après. Il me faudrait une petite. Une toute petite. Pour répondre à ta question, tout à l'heure, je t'en prie, mais ça, c'est... Oui, le jeu est très fluide. Ça marche, merci, Mythe. C'est quoi ça? Ramon. Ashley. L'enfoiré, hein, quel enfoiré. Ok. Y a rien d'autre à regarder au cas où. Non. Quel enfoiré. Ouais, tu l'as dit. Alors attends, je vois des gus là-bas, mais tu sais quoi? Voilà. Hop. Et je vois la dernière lampe là. En vrai, je me garde aussi beaucoup de balles, c'est pour la fin d'île, parce que pour ceux qui se rappellent sur l'original, il y avait une raison. Allez, succès déverrouillé, vite château. Allez, obtenir tous les trésors indiqués sur la carte tout seul du château durant la même partie. Let's go. Et là, il y en a eu encore un ou deux succès qui vont tomber après. Ah, le marchand. Waouh. Aussi, je peux dégainer. Une herbe jaune, ça c'est bien. Des balles de pistolet, j'en ai que 10, mais ça fera l'affaire. Tu peux monter là, donc c'est à dire que tu peux aller sur les tonneaux. Là. Un spray, ça, ce sera très utile. Ouais. Oh. Ça va être intéressant. En plus, on est quasiment full life. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Oh, attends. J'ai un truc à faire avant. Certir. Un saphir. Et une émeraude. Citre, bienvenue. On est pas mal, là. J'achète étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette. Tu fais des réserves au cas où? C'est une sage décision, ça. Rien de plus facile. Mon Red 9, il est à fond. J'adore ce flingue dans Resident Evil. Ça va être important plus tard. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. C'est un travail 12 pour le pompe. Bien quand tu veux, surtout. Bon, j'ai mes grenades, c'est que je veux prendre une grenade au début, c'est qu'il y a une raison. Bon, par contre, j'ai rechargé mon pistolet, même si j'ai que 10 balles. Ce qui me saoule en ce moment, je sais pas, mais je trouve que je trouve pas beaucoup de balles de. Des petites ferrailles en fait, pour faire des petites munitions. Fusil à pompe et pistolet, j'entends. Bon. Là,
J'aurai quelques balles en plus. Le pompe, je vais recharger tout. Et je vais tout m'équiper des grenades. Tu vois, vous allez comprendre pourquoi. Tu comprends pourquoi m'étranger une grenade en premier. Ainsi, je vous ai remis la fille comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Ashley! Et là, il y a des petits changements de corporation originels pour ceux qui se rappellent. Comme vous êtes stupide, monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Ah, tu parles et pourtant, trop. Vous échouez. Oh espèce de riche, sans aucun savoir vivre. Comment osez-vous? Bon, je suppose que c'est Ramon le boss. On va être logique. Il y a aussi l'œuf doré que j'ai gardé pour une raison. C'est vraiment moche. Il y a des tonneaux déjà derrière nous. Alors, je vais tenter un move. Ah, j'ai pas réussi à le tomber. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Il va être chiant. Alors t'es où, salopard? Ah, je te vois. Attention, reste pas trop près. Attention. Oh là 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 là. Ouf. Je crois qu'il faut éviter de rester dans l'acide. Hein. Wow, attention. Ok. Wow, ok. Il me reste quelques balles de pompe. Vite. Alors là, il tombe. Je vais tout de suite utiliser la grenade sur lui. Allez. Alors là, j'ai plus de... Il me reste quoi? Putain, il me reste que le fusil à lunettes, sérieux? Ouais, ça va être chaud. Moi, j'ai crafté des balles de fusil à lunettes, écoute, hein. Et peut-être une grenade aveuglante, là, je peux pas. Wow. Attention! Ouais. Au prochain siècle. Oh, je vois rien. Il va se barrer encore. Recul. Et en plus, t'es à petite portée là, c'est chiant. Bon, j'ai plus de gilet, ça commence mal. C'est quoi ça? De la poudre. Mon poisson, il est où? J'ai des sprays de soins aussi, regarde.
Oh, mais il reste des tonneaux, là. Poudre de roquette. Ok. On a eu chaud aux fesses, là. Belle de pistole, vite. Ça va. Attention aux grenades d'acide. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il bouge beaucoup. Oh là là. Alors, je vais tenter un truc. Il y avait une rumeur. Voilà. Ah, j'ai tiré qu'un œuf doré. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça, c'est une belle mort. Bisous, Ramon, c'était sympa. Hein. C'est un rouge à lèvres. Alors, est-ce que c'est un trésor ou un cosmétique? Eh. On sait faire des morts classe sur la chaîne à deux boss. Et en fait, j'avais lu une rumeur et apparemment, ça s'est confirmé. Et apparemment, le boss Ramon Salazar était très sensible aux œufs et surtout à un œuf d'or. Pas de temps à perdre. Et ben voilà. Un instant immortalisé. Si tu veux faire un clip à l'occasion, n'hésite pas. Oh, pour pas mal de mines de pistoles, ça c'est bien. Oh, attends, j'ai oublié des trucs dans la chapelle. Ah bah bravo Kaiser. Et ce qui m'a mis sur la piste aussi de cette idée, c'est qu'il me demande de balancer un œuf sur le portrait de Ramon. C'est qu'il a une raison. Attends, c'est où, dans l'escalier ou pas? Encore de la grande ferraille. En fait, c'était pas l'œuf d'or, c'était le vif d'or, en fait, mais on l'avait caché. Il reste encore des trésors? Où ça? Ah, là, ouais. Ah, je t'avais pas vu. Poudre noire en plus. En fait, ce qui est chiant avec ce boss, comme je disais, c'était la mobilité, quoi. Mais après, une fois que vous visez au moins sa bouche, et dès qu'il s'ouvre, ça y est, quoi, c'est terminé. Vous pouvez l'enchaîner et le marave. Jusqu'à anéantissement du sujet. Donc du coup, ça me fait combien de succès, là? Ça m'en fait 20, donc on est à la moitié des succès. C'est propre. Donc là, je pense qu'on va terminer le chapitre 12, et après on passera au 13, et je m'arrêterai là. Je pense que je termine le jeu vendredi. J'aurai le temps de me perfectionner sur le tir. Ah bah j'ai 3 balles de pompe. Après, est-ce que je pourrais pas faire quelques balles de fusil en plus? Ouais, allez. On fait des balles de fusil en plus, au moins on est bien. Je prépare la fin de du scénario. Krauser. Tu peux pas tirer ici? Où est-ce que tu l'emmènes? Major Krauser. Encore des balles de pistolet. Bon, ça va, le jeu est cool avec nous. Il y a un petit trésor d'extension, là. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, non, non. La statue, on l'avait eue. Cartouche de pompe, ok. On essaie de bien se préparer hein, pour la partie finale du jeu, l'île. Ok. Il y a un rat, mais ça sert à rien. Je regarde si j'ai rien oublié là sur les côtés.
Je me dis que non. Ok, donc c'est juste là. Un diamant jaune en plus. C'est toujours ça de prix. Et ça compte pas dans les trésors. Hein. Ah, une note. Note de la gouvernante. Ah, j'ai échoué, monseigneur. Je n'ai pas été capable d'exaucer votre dernier souhait et de remettre le jeune garçon sur le droit chemin. Maître Harmon n'était encore qu'un enfant quand je l'ai vu pour la première fois. Voit le mal en lui. Et lorsqu'il découvrit qu'une sorte se moquait de lui en prenant Pulgarcito dans son dos. Il convoqua dans ses appartements privés. Après avoir forcé la jeune fille à se mettre à genoux, il lui aspergea le visage avec un flacon de vitriol sorti de sa poche. Le jeune maître regarda avec satisfaction la servante se tordre de douleur alors que la peau de son visage tombait en lambeaux. Son rectus malsain entend encore mes nuits. Avec le temps, la perfidie d'Harmon n'a fait que croître. Les membres de cette secte infernale se sont vite aperçus qu'ils pourraient exploiter son cœur vulnérable. Maudit soit-il. Ils ont manipulé le maître Harmon et ont fait de lui leur marionnette. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à l'utiliser pour libérer les Plagas que la famille Salazar avait juré de garder scellé à jamais. Don Diego, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller sur Maître Harmon jusqu'au bout, quel que soit le sort qui nous est réservé. Pour avoir été au service de la famille Salazar depuis mon plus jeune âge, ceci mon devoir et ma pénitence. Ah bah écoute. Putain, il a aspergé le visage d'une servante quoi, avec un truc d'acide, quoi. Mais quel enfoiré. Bon, on a encore quelques soins, ouais. Parfait. Au moins, j'ai pas besoin de nager. Tu m'étonnes. Oh, mais il y a une caisse là-bas, attends. Ça serait dommage de la louper. C'est de l'or en plus, hein, tu craches pas dessus. Combien de spinales? J'en ai 12. Ouais, on est bien. Fais chier. Ah! Tu cherches quelque chose? Pas une bouteille d'eau. Un ciel. Bon. Bah, le chapitre 12 est terminé, c'est cool. On n'est pas mort face à Harmon. On l'a tué avec un œuf dans la tête. Il y avait un truc pour gagner des points en plus. Tu as touché un ennemi avec un œuf. Chute du châtelain. Vite château et tous les trésors. Ouais, non, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Bon, j'espère que ça vous a plu, YouTube. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure sur Resident Evil 4 Remake. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.